Donc pour le réservoir à essence, je l'ai. Il y a juste un truc que je vais contrôler tout de suite. Ça me fait penser que les vis d'écarnage, il faut que je les modifie. Qui viennent ici, là, il va falloir que je les coupe. Alors, il y a un truc, je le vérifie, c'est un truc con. C'est le problème, ce que j'ai eu sur ma bécane, ce que j'ai vu sur d'autres bécanes, c'est que les trois quarts des gens, c'est des connards, c'est des guignols. Et ce qui se passe, c'est qu'ils mettent des vis trop longues. Et là, j'ai vu qu'il y avait des vis de cette longueur-là. Et je crois que ça, à la base, c'est beaucoup trop long. Donc, je veux juste regarder un truc. Je vais prendre une clé BTR. Là, j'ai du plastique. Là, apparemment aussi. Là, je sais pas. Là, oui. Là, j'ai un doute. En fait, je regarde s'ils n'ont pas percé le réservoir. C'est ça que je regarde. Non, c'est bon. Non, c'est bon. J'avais peur là-dessus parce que franchement, le réservoir était percé. Moi, je ne le remontais pas. Il se démerdait, il trouvait un réservoir. Il m'en a ramené un deuxième, mais il est percé. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, là-dessus, les vis, ils sont vraiment pas longues. Vraiment, vraiment pas longues. Donc, moi, ce que j'avais fait sur ma 50 quand j'ai changé le réservoir, j'avais acheté des vis dans le commerce. Et je les avais recoupées. Et je crois que j'avais mis pas grand-chose après le carénage. En fait, j'avais mis la vis sur le carénage et je l'avais coupé. C'est pas pris sur beaucoup, de toute façon, il n'y a vraiment pas besoin que ça soit pris sur beaucoup. De toute façon, il y a la selle qui revient dessus. Mais il faut vraiment pas mettre des vis longues à cet endroit-là. Là, le réservoir, il pue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas enlever le robinet à dépression, le vieux, tout de suite. Je vais d'ailleurs même le renfoncer correctement. Et ce que je vais faire, j'ai de l'essence propre. Je vais y en coller un peu dedans. Je vais y en coller un peu dedans. Je vais le refermer et je vais le secouer. Parce que à la base, je voulais le nettoyer à l'eau. Mais le problème, c'est que je ne peux pas le remonter tout de suite. Et je ne peux pas faire d'essai. Je suis obligé de le laisser sécher. Parce que l'eau dans l'essence. Ben voilà. Vous avez tout compris. Donc il aurait fallu que je le laisse à sécher. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, on n'a pas de chaleur, on se tape plutôt de la flotte. Ce qui a été le cas hier. Donc pour sécher, c'est mort. Donc pour le nettoyer, tant pis, je vais mettre du sans-plomb. C'est du 95. Pas du E10. Je tiens à le préciser. Je vais refermer. Quand j'aurai retrouvé le bouchon. Et là. Et on va le secouer. Et j'en ai pas mis assez. Faut que j'en remette un peu plus. Si cette fois bien assez. Ça rouille pas, c'est des réservoirs en plastique. Mais il peut y avoir un peu de casse dedans. Alors mettant de l'essence, ça va pouvoir me permettre de voir un truc. D'être vraiment sûr. Il y a de l'essence là-dedans, il doit y avoir quelque chose comme 1,5 litre, 2 litres. Il n'y a pas de fuite, donc il est vraiment en très bon état. Bon, ça fuit par le bouchon d'essence, ça en même temps c'est un peu normal.
C'est un mal ça fuit par le bouchon d'essence, c'est la mise à l'air. Hop. Je vais enlever le bouchon. Déjà. Si j'y arrive. Et ensuite, je vais retirer le robinet. Voilà, voilà, vous m'avez compris. Bah écoutez, il est propre. Pour une bécane qui a paru depuis 5 ans, je m'attendais quand même à ce qu'il soit dégueulasse sur le nerf. Mais bah, il n'est pas si dégueulasse que ça finalement. Voilà, c'est bon. Je remets le bouchon. On monte la jauge. Enfin, le robinet. Alors par contre, si je n'ai pas tourné, il me semble bien que sur la sienne, il se monte vers l'arrière. Les fils vers l'arrière, je crois. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai vu que la jauge, les fils de jauge, ils étaient à l'arrière de la bécane. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette les durites vers l'avant. Moi sur celle-là, ils auraient été intelligents. Ça n'a pas vraiment été le cas sur la mienne. C'est comme ça qu'on se retrouve sur la mienne avec des fils de jauge à essence qui pètent toutes les 4 matins. Qu'il va falloir que je fasse les deux durites à essence aussi. Bah, la durite à essence et la durite de dépression. Je vais même d'ailleurs peut-être commencer par la durite de dépression, tiens. Ce sera peut-être même mieux. Normalement c'était de la durée d'huile que j'avais, donc je m'en fous parce que normalement c'est le même. La merde à faire ça. Il faut que je la chauffe un peu parce que là, le problème c'est que la durite, c'est pas de la durite de merde que j'ai, c'est de la bonne durite. Et le truc, bah, c'est qu'elle est dure. Un montage du réservoir à blanc, c'est juste pour pouvoir couper la durite. Et le robinet, ça va pas. Faut que je tourne. Le fil de la jauge, il tape dans le châssis. Voilà. Je crois que déjà, je vais m'assurer d'un truc. C'est que la jauge, je puisse quand même la brancher avant de couper la durite de dépression. Que si jamais ça va pas, que je me retrouve pas dans la merde niveau du rite. Ah bah c'est bon. C'est quoi qui me merde? Ok. Il y a un truc qui gêne, je sais pas c'est quoi, mais il y a un truc qui gêne. Ah, c'est peut-être le faisceau. Je
je te dirai rien. Il y a un truc qui me gonfle là. C'est quoi qui me prend la tête là? Au niveau de son faisceau électrique, ça me prend la tête là. Ça me saoule. J'aimerais bien savoir pourquoi. Voilà, là c'est bon. Non, on va se dire que c'est bon. Le problème, ouais, c'est le faisceau électrique qui me gêne. Pour bien faire, il faut que je redéfasse un peu le radiateur et que je sorte le faisceau d'où que je le mis. C'est ça, quand on répare une bécane, ça a été fait comme de la merde. Toujours des problèmes. Je tire un peu sur le faisceau électrique. Voilà, là, normalement, ça ne devrait plus me faire chier, là. C'est bizarre que ça fasse ça. C'est vraiment bizarre le truc là. Je vais quand même essayer de le fixer le réservoir. Une sortie à durite correctement. Et c'est sûr, faut regarder si j'ai bien toutes les entretoises. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il va me manquer les entretoises arrière du réservoir. Je dis bien normalement, je ne suis pas sûr. Donc, les vis, je les ai, ça, pas de problème. Ça, c'est à l'avant. J'espère qu'il y a les entretoises, parce que on va être dans le caca, sinon. Et je crois que... Ah, ça va être bien, il va en manquer une. Pratique ça. Sur des bécanes qu'on n'a pas roulé depuis 5 ans. Alors la chose que j'espère par contre, c'est que ça soit pas flingué. J'ai peur, la vis elle veut pas prendre. J'ai super peur. Si ça a été baisé, on est dans la merde. Je vais essayer avec une vis ordinaire. Celle-là, elle visse. Donc, j'ai essayé de la visser, celle-là. Il va y avoir une vis en aluminium après, donc il faut vraiment que ça soit fixé correctement. Enfin, faut vraiment pas que la vis, elle force. Ça a l'air d'être bon.
À l'arrière, il n'y aura pas de vis en alu. Hein. À l'arrière du carénage. Mais l'avant, par contre, oui. Mais je la montrerai que en dernier. Parce que vu que je vais certainement être amené à démonter plusieurs fois le réservoir pour faire le réglage carbu, j'ai pas vraiment envie d'aller coller une vis en alu que je vais toucher, que je vais être amené à démonter plusieurs fois et de prendre le risque de tout flinguer. Ah, ça vise beaucoup mieux. Bon, il n'y a plus qu'à remettre le réservoir. Alors en fait, le problème que j'ai pour l'arrière des entretoits, c'est que j'en ai une qui pourrait éventuellement y aller. Le souci, c'est que c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Donc bah, j'espère que ça ira, parce que sinon, on est dans la merde. Normalement, il y a deux entretoises vachement grandes avec deux rondelles épaisses. Et j'ai pas les entretoises et j'ai pas les rondelles. Enfin, les entretoises, j'en ai, mais j'ai pas les bonnes. Elles ont bien centré le réservoir, mais le problème, c'est que elles vont pas être assez larges. Enfin, bon, pas être assez long surtout, c'est ça que je veux dire. Donc, de toute façon, il va bien falloir se démerder. J'ai pas fait gaffe si sur le réservoir de côté, ils y étaient. Non, elles y sont pour. Elles n'y sont pas. C'est un peu chiant, ça, pour le coup. J'aurais bien voulu avoir. Ah bah non, puis celle-là, on va y aller. Hein. Ah bah non. Eh bah que non. C'est trop gros ça. Enfin, c'est petit ça. Putain. Bon, je vais essayer de lui coller des grosses rondelles. Ah, j'en avais peut-être une qui pourrait éventuellement. Y aller niveau diamètre intérieur et non même pas. Mais ça va être compliqué ça. Ça va être compliqué. Je sais pas comment je vais faire avec la machine. Hein. Le problème, c'est que je peux pas mettre les vis à l'arrière. Renclencher la vidéo, ça peut être pratique des fois. Donc là, j'ai mis la durée de dépression, j'ai trouvé un système pour le réservoir à l'arrière. Là, pour le moment, j'ai mis juste deux grosses rondelles. J'ai trouvé de quoi faire une entretoise de centrage. Avec ça, faut que je la découpe. Le problème, c'est que là, pour le moment, c'est mort. Et trop tard. Donc ça va, il y aura toujours un petit peu de jeu, mais beaucoup moins. C'est surtout qu'en fait le problème c'est qu'il y a un seul en bloc et lui contrairement à la mienne, elle est complète. C'est-à-dire qu'il a le caoutchouc qui vient à l'arrière et de la boîte à air. Et le problème c'est que bah, en serrant avec les rondelles dans le cou ça s'enfonce. Donc je peux pas serrer le réservoir correctement. Là on va faire la durite à essence, la durite d'essence du moins. Le truc c'est que moi j'ai que de la bridge Straton. Que j'avais utilisé pour ma bagnole, donc au carbu ça va y aller, ça n'y a pas de soucis. Au réservoir par contre, un collier sera pas de refus. Et les colliers je les ai pas ici, ils sont à la maison. De toute façon je voulais la faire péter ce soir, mais je pense que ce soir ça va être cuit. Le filtre à essence, bon déjà je peux déjà faire le... déjà faire le départ hein, du carbu jusqu'au filtre. Alors j'y colle un filtre essence, c'est quand même préférable. Il me fait doucement rigoler le truc là. Alors, on va se dire que ça vient comme ça. Ce serait la logique. Là, ça va le faire surtout. La durite, par contre, pour la mettre, je vais galérer.
quasiment enfoncé. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de la couper. Hop là. Donc on va se dire qu'elle vient comme ça. Hop là. Ah putain. Toujours quelques petites adaptations à faire. Le problème de la durite que j'utilise, de la Bridget Stratton, c'est qu'elle se prête vraiment très mal. Je vais la raccourcir. On va voir si maintenant si ça y va. Mais je pense que de toute façon, il faudra bien certainement que j'y colle des colliers à cette durite. Au moins au carbu et au... Ah bah c'est déjà mieux. Déjà bien mieux. Au moins maintenant, je peux le mettre à peu près là où j'ai envie de le mettre. Le truc, c'est qu'il faut que je la descende un peu encore. Pas que je la recoupe, mais que je la descende, parce que quand je l'ai passé derrière, ça l'a un peu déboîté. Et elle est dure à remboîter. C'est de la durite renforcée, ça. Faut peut-être que je la recoupe encore un peu. Si je veux la mettre là où je veux. Hein, on va la recouper. Par contre, elle est chiante à mettre, mais alors, quand elle est mise, elle est mise. Je vais la recouper encore. Encore un peu. Et hop. Voilà. Là normalement on ne devrait pas être trop mal là. J'ai défait la durée de dépression, ça sent moins. Oula. Oula. On va éviter de casser le filtre. Et ben voilà. Nickel. Nickel, nickel. Voilà. Maintenant, je vais refaire partir un bout du filtre. Voilà. Je mettrai un collier, de toute façon, je pense. Avec un tout petit morceau. Juste pour la raccorder. Ah, le filtre, ça va pas. Ça va pas son filtre. Le filtre que j'y ai pris, ça va pas. J'avais pas pensé à un truc. C'est à sa bobine. J'avais pas pensé à la bobine d'allumage. Par contre, je vais quand même réessayer parce qu'il a quand même payé le filtre essence. C'est ça qui m'énerve un petit peu sur les sites internet d'ailleurs. C'est qu'ils ne donnent pas vraiment les cotes de ça, quoi.
Je vais enlever le réservoir. Au moins déjà de défaire les vis, hein, ça serait déjà pas mal. Bah écoutez, je coupe, on se reprend après. Donc pour le réservoir, j'ai un problème. J'ai la durite, c'est mort. La durite que j'ai, c'est foutu, je peux pas la mettre. Elle est beaucoup trop dure, dès qu'on la fout, elle saute. Là, j'ai créé des entretoises, j'ai fabriqué deux entretoises pour mettre au niveau du réservoir, pour le centrer. C'est à peu près le bon diamètre. Ça va nager encore un peu, mais c'est toujours mieux. C'est surtout pour le caoutchouc là, que je mets. Et prenons pas ça pour autre chose. Le problème, c'est que le caoutchouc, bah, c'est un peu le caca, quoi. C'est un petit peu le caca. Par contre, le problème, c'est qu'il m'aurait fallu deux autres rondelles larges de 6 mm pour pouvoir foutre en dessous du caoutchouc. Je suis en train de réfléchir. J'ai des entretoises. Je suis en train de toujours réfléchir. Si je fous ça comme ça, je pourrais coller deux entretoises en dessous. Le réservoir, le problème, c'est qu'il me faut des entretoises en métal. Et le souci, c'est que les entretoises métalliques, bah, j'en ai plus qu'une. Et chez 50 Factory, maintenant, c'est plus des entretoises en métal qui vendent. C'est que de l'entretoise en plastique. Donc ça me fait chier de donner une entretoise à tout et que ça ne soit pas une entretoise métal. J'en ai une, mais j'en ai qu'une. J'ai pas fait gaffe sur les carénages en même temps s'ils y étaient. Bon, j'ai une voir, ça se trouve, c'est pas interdit qu'il y en ait une dessus. Le problème, c'est que faut que je recalcule pour les entretoises. 1, 2, 3, 4, parce que j'ai l'autre côté, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il m'en faut 10 pour les carénages. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Là, il m'en resterait quatre. Moins deux. Alors, je comprends pas pourquoi chez 50 Factory, ils vendent des machins comme ça en plastique. Alors, certes, c'est bien parce que... c'est bien en avant parce que ça n'aime pas les carénages, mais voilà, bon, c'est tout quoi. C'est tout ce que ça fait, donc ça ira pas. C'est beaucoup trop large. C'est beaucoup trop fin, ça va pas y aller. Donc bah, déjà la question, elle se pose plus. En plus, j'avais remarqué que les entretoises en plastique, elles sont un peu plus fines au niveau du centrage. Il faut que je voie ce que ça donne en étant comme ça. Mais j'aurais bien voulu quand même foutre une rondelle entre les deux. Si j'arrive à trouver encore deux rondelles de 6, ça serait bien. De toute façon, je crois que je vais essayer un autre truc aussi. J'ai dit que je voulais réduire au max le jeu. Mais ça va peut-être être faisable finalement. Allons voir. Est-ce que ça rentre là-dedans, ça? Eh ben on dirait donc oui, bah je vais découper deux entretoises là-dedans. J'en ai trouvé un autre. Ce que je vais faire, c'est que bah, je vais le découper et puis voilà quoi. Donc c'est reparti pour une section de découpage. Quand on n'a pas les pièces, il faut bien les fabriquer. Donc j'ai mis les deux entretoises maison que j'ai découpées. Donc ça c'est pour réduire le diamètre
Putain, que ça va pas vouloir se prendre correctement. Avec du blanc peut-être. Voilà. Donc ça c'est pour réduire le diamètre extérieur. Et j'en ai d'autres que j'ai fabriquées aussi. Plus petites pour réduire le diamètre intérieur. Là normalement, ça sera bon. Normalement, je dis bien. J'espère juste avoir le temps de monter le pot d'échappement après. Parce qu'après j'arrête. C'est pas le tout, mais il y a quand même de la route à faire. Comme vous pouvez écouter, vous allez vous rendre compte qu'il flotte. Comme un peu tous les jours maintenant. Je vais remonter le caloustique tout de suite. Normalement, ça ne me gênera pas pour la durite. Le seul truc que je ne suis pas sûr, c'est le robinet, le filtre essence. Je ne suis pas sûr qu'il va y aller. Le problème, quand on achète les filtres à essence sur Internet, alors on sait nous mettre le diamètre de la durite, ça je suis convoqué. Par contre, le diamètre, les tailles d'autre chose là, bah, du diamètre externe du filtre, la longueur, ça serait, je sais pas, ça fait déjà deux fois que je me fais avoir comme ça sur un filtre à essence. Donc j'espère que je vais pouvoir le monter ce filtre, parce que sinon je vais être bon pour lui rembourser. Donc je vais remonter le carénage de ce côté là. Je vais pouvoir brancher la jauge d'essence. En fait, là, c'est le caloustique qui vient à l'arrière. Bon. Les rondelles sont peut-être un peu larges, on s'en fout. Et en fait, là, les entretoises intérieures vont se prendre dans le caloustique. Celles que j'ai faites vont diminuer le jeu dans le réservoir. Je vais essayer de décrocher, je vais essayer de vous montrer. Ça sera plus simple, en fait. Donc, en fait, pour faire simple, là, j'ai fait des entretoises internes que j'ai mis dans les cylindres blocs. Et sur le caoutchouc, qui vient dans le sens qu'il est là d'ailleurs, j'ai mis des entretoises extérieures avec deux grosses rondelles. Donc normalement, il y a des pièces hein, pour ça, mais moi je les ai pas. Donc écoutez, quand on n'a pas les pièces, on les fabrique. Il n'y a pas de ces solutions là. Malheureusement. Parce que ça, c'est des pièces. C'est... Les entretoises d'origine, je peux les avoir. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je peux les avoir uniquement chez Yamaha. Et le problème, c'est que commander des trucs comme ça, c'est pas le fait que ça coûte cher. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est tout ce qui va être TVA et taxes. C'est surtout ça le problème. C'est ce qui va coûter le plus cher en fait, c'est la TVA et les taxes. Donc ça sert à rien. Donc là ça commence à m'énerver. Peut-être bien que ça se mette du coup, parce que tout à l'heure ça s'est mis plus facilement que ça.
Je peux la serrer. La limite, mais je ne veux pas la serrer tout de suite. Je vais remettre le réservoir devant. C'est con parce que franchement, il était à deux voies de péter. Hein. J'aurais eu la durée, la bonne durée de l'essence. C'était good. Hein. Mais bon. Par contre, faut que je la mette en eau là. Après. Parce que faut que je sache savoir si elle est étanche ou pas. Au niveau du circuit de flotte. Parce que demain, je vais chez le garagiste. On va chercher de la durite et normalement lui ramener aussi le joint de corps de pompe là, qu'on avait acheté le premier coup. Parce qu'en fait, j'ai oublié de commander sur sa bécane, j'ai oublié de commander le. Comment on appelle ça? Le joint speed pompe à eau, le joint speed pompe à eau, j'ai oublié. Et le problème, c'est que j'ai été chez mon garagiste et il n'en avait pas. Donc on a pris un kit de réparation complète de pompe à eau parce que si je leur avais commandé le joint speed chez Scootfast ou un autre site, j'aurais payé un joint à même pas 4 euros, ça se trouve, et j'aurais payé plus de frais de port. Donc je vois pas trop l'intérêt. Donc bah, j'ai pris le kit réparation de pompe à eau parce que mon garage il aurait pu me le commander, hein, ça se trouve. Hein. Mais le problème c'est que tant qu'ils n'ont pas un certain nombre d'articles à commander, ou je sais pas trop, ils ne commandent pas. Parce que sinon ils ont beaucoup de frais à payer. C'est fini. Je vais la retourner. On va monter l'échappement. Et on va le monter correctement. Alors pourquoi je vous dis correctement pour le montage du pot? Tout simplement parce que le mec qui a monté le pot là-dessus, c'est un gueudin. Déjà, il a tordu cette patte-là. Mais c'est surtout, il n'y avait aucune entretoise de montage, déjà. Il n'y avait pas les ressorts d'échappement, il en manquait un. Il n'y avait pas de vis de fixation, il avait attaché ça avec du fil électrique. Donc un gueudin. Ni plus ni moins. Moi, au gars, j'y ai donné mon pot Léo Vinci X-Fight. Donc je lui donne. Normalement, ça se monte dessus sans problème. Ah, par contre, il n'y a plus de graisse à l'emplacement du machin. Alors, je sais que ça se monte parce que ce pot-là, il avait été monté sur la mienne. Que ça soit un 2007, un 2009, un 2003, on s'en bat les couilles, c'est les mêmes. Il n'y a que sur les modèles d'avant que ce n'est pas les mêmes. Sauf 2002. Juste un petit peu mauvais au premier démarrage. Ah, ça y est. Bon, ça c'est fait. J'ai déjà les vu coller
J'ai encore dans mon moment, j'ai tous les ressorts d'origine du pot. Et au pire, j'ai des ressorts de rechange en cas de problème. Celui-là, je nique le pot, puis après, moi, j'arrête. J'aurais déjà pas mal lancé. Alors, il y a juste la chaîne que j'ai pas remontée, parce que ça, je vais l'enlever. Ainsi que la couronne à l'arrière, je vais la nettoyer. Parce que il peut y avoir de la saleté dedans. Et c'est pareil, de toute façon, puisque de toute façon je vais la redresser la chaîne, bah, autant faire un truc propre dès le départ. Ok, bon, bah, celui-là, ce ressort là. Au revoir. Il y en a un coup dans la gueule, il est trop détendu. On va essayer de le foutre ailleurs celui-là. On va le sortir déjà. Est-ce qu'il y en aurait un peu plus court? C'est peut-être dur. Pour le coup, c'est peut-être même pas... J'ai peut-être pas intérêt justement de le monter tout de suite, ça. Parce que je suis juste à repenser que j'ai la patte de fixation là, à mettre. Ah, c'est con parce qu'à peu de choses près, il se monte nickel sur la sienne. C'était pas vraiment le cas sur la mienne. Normalement, c'est le silon bloc côté... à côté là. Si je me rappelle bien. De toute façon, je sais qu'il y va ce pot là parce que il était sur ma bécane. Ah bah, il n'est pas rentré. Peut-être que ça démonte. Les châssis de 2009, c'est pas les mêmes que les autres. Oh, je suis étonné là. Je suis quand même assez... Là, je suis surpris. J'ai l'impression que ça va pas se monter pareil que sur ma bécane. Pourtant, c'est bizarre. C'est normalement, c'est les mêmes châssis. À part si ça a été modifié. Ce qui ne m'étonnerait même pas. Vu tout ce que j'ai découvert sur cette machine. Parce que ça, c'est bien la pâte que j'avais usinée pour monter. Mais c'est vrai, j'avais été obligé d'usiner une pâte. Ça, je m'en souviens. Je m'en souviens de ça. Ah, si ce monde plug and play, ça serait bien. Plug and play. Hein. Bon, j'ai déjà monté au niveau du tube de fuite à l'arrière, moi. Déjà, c'est déjà pas mal. Et j'aviserai devant. Mais ça me paraît très bizarre quand même. J'aurais au moins monté le pot et... Et puis voilà quoi. Monsieur, en plus,
Il y a du mal à se monter, ça va pas m'aider. J'ai bien pris le bon silencieux là. Oui, en mad, donc c'est bien le bon. Toujours énervé ça. C'est bon, déjà il est posé à l'arrière. Déjà il va pas retomber tout de suite. Je vais lui mettre la rondelle et l'écrou. Normalement ça se monte parce que je l'avais monté sur ma bécane ce truc là. Et en plus c'était un pot justement d'été parce que mon cousin il avait acheté ça pour une XP6 et il m'avait dit bah, j'arrive pas à le monter. Et quand j'avais regardé sur la boîte, parce que je l'avais eu avec la boîte, c'était un pot d'échappement qui était neuf, hein, bah, c'était marqué Yamaha DT. Donc logiquement, c'est un pot de DT ça. Donc je comprends pas pourquoi que j'arrive pas à le monter là. Donc ça a coupé, ma carte mémoire est pleine sur la caméra, donc je finis au portable. Je sais pas quand la longueur de la vidéo, mais je crois que ça va être épisode 5 et 6. Donc j'ai remonté le pot intégralement, j'ai remonté le carénage latéral gauche à l'arrière. Il faudra qu'on change celui-là, parce qu'il est la patte qui vient là, elle y est plus, ce qui fait que le carénage, le problème c'est qu'il fait ça. Donc je vais voir ce que je peux. Je vais pas pouvoir faire grand chose à mon avis, je pense pas. Le pot, bah écoutez, il s'est bien monté à l'avant. Par contre à l'arrière, j'en ai chié parce que vu que j'ai plus l'entretoise. Donc voilà. Donc on avance, on avance, on avance. Suite dans la vidéo ou à un prochain épisode.